Les archéologues, les botanistes et les historiens spécialisés dans les alimentaires confirment tous que l'oignon a d'abord été cultivé en Asie et s'est propagé dans le monde entier. L'oignon qui se cultive depuis plus de 5000 ans a toujours couronné nos salades et nos repas grâce à son fort arôme et ses innombrables avantages pour la santé. La forme arrondie de l'oignon a inspiré beaucoup de structures allant des sanctuaires aux dômes. Après que les Romains ont découvert l'oignon, ils ont commencé à l'utiliser régulièrement dans leur cuisine, influençant la culture culinaire de l'Ouest. Avec la découverte des Amériques, l'oignon a été introduit dans le Nouveau Monde et est devenu un légume à racines très populaire. L'oignon est le légume le plus ancien et le plus largement utilisé qui peut être cultivé dans tous les types de sols dans le monde entier. Étant une saveur irremplaçable pour les repas, l'oignon crée une grande économie avec une production annuelle de près de 100 millions de tonnes dans le monde entier. Les Nations Unies signalent que l'oignon est cultivé au moins dans 175 pays et ce chiffre est supérieur au double du nombre de pays producteurs de blé. L'Asie est le plus grand producteur d'oignons avec une part de marché de 65%, tandis que les Amériques, l'Europe et l'Afrique ont chacun un peu plus de 10% de part de marché. La Chine est le chef de file de la production d'oignons avec 23 millions de tonnes en Asie. Elle est suivie par l'Inde avec une production de plus de 19 millions de tonnes. La Chine et l'Inde sont suivies par les États-Unis avec une production de plus de 3 millions de tonnes. Les autres grands producteurs d'oignons sont respectivement l'Iran, la Turquie, le Pakistan, l'Égypte, le Brésil et le Mexique. Bien que l'Asie a une grande part en termes de zone de production et de la quantité, elle n'est pas représentée comme le leader dans le commerce mondial de l'oignon. Cela est dû à la forte densité de la population, les espaces de stockage insuffisants et le fait qu'ils ne peuvent pas s'élargir vers les marchés étrangers. Alors que les pays visent à accroître leur production pour leurs citoyens en pleine croissance démographique, ils essaient de vendre leurs produits excédentaires sur les marchés mondiaux pour contribuer au revenu national. Compte tenu des exigences des pays développés et la préférence pour les oignons jaunes, les nouveaux investisseurs doivent bien lire cela et devraient opter pour ce type d'oignon qui leur permettra ainsi d'avoir une grande part de marché. Près de 90% des oignons sont consommés dans le pays où ils sont cultivés. Par conséquent, l'oignon ne se distingue pas dans de nombreuses régions du monde, mais il n'y a guère de repas où l'oignon n'est pas utilisé. C'est un arôme recherché pour les salades, les viandes, les poissons, le poulet et les repas de légumes, ainsi que pour ses innombrables bienfaits approuvés pour la santé. En outre, les sous-produits de l'oignon tels que les chips d'oignon et les rondelles d'oignon ont commencé à être produits et commercialisés récemment, faisant de ces produits un secteur auxiliaire. Avec sa faible teneur en calories et en graisses, l'oignon est une source riche en nutriments tels que le soufre, les fibres, les vitamines B et C. En outre, le fait qu'il soit maintenant largement utilisé dans la médecine alternative et qu'il offre des propriétés antiseptiques et antioxydantes rend ce légume encore plus important. La méthode traditionnelle de stockage d'oignons est de les sécher avec leurs tiges et de les stocker dans une cave fraîche et sombre après leur récolte jusqu'à ce qu'ils soient consommés. Avec cette méthode traditionnelle, un volume de 40 à 80% des oignons stockés sont périmés malheureusement. À l'heure actuelle, ni l'économie ni notre planète âgée ne peuvent se permettre ce genre de gaspillage. Les oignons ne peuvent pas être stockés immédiatement dans les entrepôts frigorifiques après la récolte. Tout d'abord, les oignons ont besoin d'être séchés pendant quelques jours. Commence alors la phase de maturation qui permet la formation de la peau et la couleur spécifique à la pelure d'oignon. Les oignons sont préparés pour le stockage à froid en abaissant la température à un maximum de 0,5 degrés par jour afin d'atteindre la température idéale de stockage paramétrée petit à petit.
Selon la variété d'oignons, ils sont conservés entre 0 et 2 degrés en chambre froide. Les oignons peuvent être stockés dans les entrepôts frigorifiques jusqu'à 10 mois sans qu'ils soient périmés. La ventilation est essentielle dans le stockage de l'oignon. Après le stockage, les oignons ne sont pas transportés directement sur le marché en sortant de la chambre froide. Avant qu'ils ne soient mis sur le marché, ils sont chauffés à une température ambiante contrôlée afin d'éviter la condensation. N'est-ce pas intéressant? C'est une procédure un peu difficile et complexe, mais cela vaut la peine. Avec 20 millions de tonnes sur les 100 millions de tonnes de production mondiale d'oignons, qui sont stockées seulement avec des méthodes modernes de stockage, nous sommes très habitués à voir le gaspillage de notre production.